Jésus. Chers téléspectateurs, chers abonnés de la chaîne JC Quoi TV, recevez mes salutations les plus chaleureuses. Je suis le révérend Isa, et si je suis devant vous en ce moment, c'est pour vous parler de l'ONG Celle de la Terre. Celle de la Terre, c'est quoi? C'est une ONG qui trouve son essence dans la Bible. Matthieu 5, verset 13, qui a pour essence d'apporter sa modeste contribution aux orphelins, aux veuves et aux personnes défavorisées. C'est ainsi que dans les minutes qui suivent, vous allez suivre le déploiement de notre ONG dans les villes de Yaoundé, dans les villes de Douala. Restez bénis pendant que vous allez suivre. Hello Vivas, même à votre channel JC Quoi TV. Receive all my greetings. I am Pastor Isa. If I'm here in front of you, it's on behalf of our NGO, Salt of the Earth. Salt of the Earth is an NGO who is having its aims in the Bible, Matthew 5, verse 13, who is having the purpose to reduce the suffer, to bring peace of Jesus Christ all over in the world. This is why in the minute above, you follow our activities in the town of Yaoundé and Douala. Stay blessed when you are watching. Dans les voitures ou bien dans les rues ou bien dans les WC.
meubles et tout pour les arbres, ça seront mes enfants. Et j'ai commencé. J'ai dépensé mon argent. J'avais 15 à 86. Les 15 à 86 là, ce n'est que les deux qui connaissent là aujourd'hui. Il faut qu'on soit comment, il se commence à être passé devant là-bas. Je suis partie seulement. Voilà comment on a fait la Chekina, il me dit, maman, ce que tu as de me faire, mais si quelque chose t'arrive, l'État ne va pas connaître que tu as beaucoup fait et tu les as aidés à prendre. Mais cherche à trouver que l'État te connaisse. C'est en 2013 alors que j'ai été reconnue par l'État. Maintenant, je suis au niveau de la paix. Dans le centre, ils sont morts. Il y a trois là, que les affaires sociales ont trouvé la maman. Alors, il est important que vous aussi, vous puissiez nous connaître. Vous voyez des personnes, des tontons, des mamans, des papas devant vous, avec des casquettes blanches et des polos. Donc, maman, nous allons, et papa, nous allons aussi prendre la parole. Vous dites qui nous sommes en fait. Pourquoi nous sommes là, ce que nous sommes venus faire et tout. Donc je vais laisser le soin à papa Alain ici présent qui va prendre la parole et il va nous entretenir pendant ce moment. Bonsoir et bon après-midi à tout le monde. Good evening to everyone. L'ONG Celle de la Terre, c'est une très grande famille. Because ONG of the Celle de la Terre is a grand family. C'est une famille internationale. It's an international family. Donc certains membres sont à l'étranger, sont partout dans le monde. Some members in stranger and all around the world. Je prends la parole pour vous dire qui nous sommes. So I'm taking the word to tell you who we are. Et aussi pour vous adresser à notre nom nous tous un mot d'encouragement. And to address to you an encouragement word. Nous sommes très contents d'être ici. And we are so happy to be there today. Parce que nous avons trouvé des personnes vaillantes. Because we have met a valiant person. Nous avons vu des personnes courageuses. A courageous person. Avec ce que nous venons d'entendre de moment. And what we are talking about before. Nous prouve que vraiment vous êtes des personnes particulières. Prove to us that you are the particular person. Voilà. Qui nous sommes? Who are we? Nous sommes une organisation. We are an organization. Une ONG. Et le nom de cette organisation, c'est Celle de la Terre. And the name of that organization is Celle de la Terre. Et en tant qu'organisation, ce que nous faisons, c'est que nous avons décidé des personnes du Cameroun, de l'Amérique, de l'Europe, de partout dans le monde, nous avons décidé de nous mettre ensemble. As an organization, we have decided to we people of Cameroon and other the country to be joined together. De nous mettre ensemble et d'aller vers ceux-là qui sont en difficulté. To be joined together and go toward to forward the person who meet difficulties. D'aller vers ceux-là qui souffrent. To go from to meet people who suffering. D'aller vers ceux-là qui ont besoin de réconfort. To go to that people who need comfort. D'aller vers ceux-là qui ont des difficultés. To go to that person who have difficulties. Pour leur porter un message d'amour. To bring to them the love message. Pour leur apporter un message de réconfort. To bring to them a comfort message. Pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls. To tell them that they are not alone. Et qu'il y a de l'espoir. And they have hope. Allô. Hello. Vous m'écoutez? Are we together? Voilà. Avant de continuer. Before continue. Je dois vous adresser les salutations spéciales d'une personne. I want to transmit to you the greeting of a special person. Il s'agit du fondateur de cette organisation. He's a fondateur of that organization. Il s'agit du prophète Emmanuel Patrick. The prophet Emmanuel Patrick comes. C'est lui qui est l'initiateur. He is the one who initiates. Cette œuvre qui nous amène ici cet après-midi. He's the one who initiates us to bring you here today. Voilà.
Il n'a pas pu faire le déplacement parce qu'il est aux États-Unis. He not here because he is in the United States. Et son agenda n'a pas permis, n'est-ce pas, qu'il puisse faire le déplacement. And he has a full agenda. That's why he's not here today. Mais il a tenu à ce que nous vous transmettions ses salutations les plus chaleureuses. And he transmits to us to bring to you his salutation. Voilà, une bonne façon. Comme je l'ai dit, nous sommes l'ONG Sel de la Terre. Et nous portons un message d'amour à tout ce que nous rencontrons. Vous savez, nous sommes la créature de Dieu. You know, we are all creation of God. Et ce Dieu qui nous a créés est amour. And that God who created us is a loving God. Et parce qu'il est amour, and because he's a love God, il n'oublie personne. He don't forget anybody. Il s'occupe de tout le monde. He take care of everybody. Quelle que soit sa situation. No matter his situation. Quelles que soient ses difficultés. No matter his difficulties. Dieu ne l'oublie pas. God did not forget him. Mais Dieu s'occupe de lui. But God support him. Et vous savez, Dieu s'occupe des hommes en utilisant d'autres hommes pour leur manifester son amour. You know, God supports somebody to through another body to bring him his love. Et c'est pour ça qu'il a permis que nous venions voir ces. That was the permit us to come here to meet you. Maman l'a dit tout à l'heure. Mom, Dieu vous a envoyé vers nous. Mom said today that God bring us. To you. Et il nous a chargé de ce message d'amour. And he bring us to deliver to you a love message. De sa part. From his own. Et vous savez, dans la Bible, il est écrit. And you know, in the Bible, Dieu est le père des orphelins. God is the father of orphans. Allô les amis. Hello my friends. Dieu est le père des orphelins. God is the father of orphans. Pour dire que vous n'êtes pas seul. To say that you are not alone. Dieu est avec vous. God is with you. Dieu est de votre côté. God is at your side. Parce qu'il est de votre côté. Because he's at your side. Il nous a envoyé, n'est-ce pas, pour vous soutenir. He sent us to soutenir you. En vous aidant pour votre rentrée scolaire. And to help you for your scholarship. Et en vous apportant ces petits paquets. And to bring you to that little presents. Dont les amis. That friends, nous vous disons que nous vous aimons. We say that we love you. Et nous vous encourageons. And we encourage you. Aller à l'école. What happens to school? Pour réussir. To succeed. Et compter sur Dieu. And count to God. Priez Dieu. Pray God. Et il saura vous aider. Mais nous croyons. But we trust. Dieu que le fondateur de cette organisation prie. The God that the fondateur of that organization pray. Il saura prendre soin. He will gather you. Et il saura subvenir à vos besoins. He will guide, he want to sustain to your needs. Et un message également que nous partageons en tant qu'organisation. And a message that we share as an organization. C'est un message de paix. C'est un message de paix. C'est un peace message. C'est un message de pardon. Sur ce, and that, que Dieu nous bénisse. May God bless. Que Dieu vous bénisse les enfants. May God bless. Qui peut donner un chant et ensemble nous allons chanter. Oui, je dis ça. Ensemble,
Cette structure, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes très contents, c'est au-delà des mots, de vous recevoir ici chez nous aujourd'hui. Moi, je me présente, je suis Vicky, la directrice de l'orphelinat. Je me réjouis devant le Seigneur parce que si on me disait en début de mois que j'aurais la joie, le privilège de recevoir un tel groupe, je n'allais pas dire oui, mais le Seigneur l'a permis. Donc nous vous remercions. Vous êtes venus là pour les enfants. Nous n'avons pas fait de grands discours parce qu'ils ont préparé quelques petites choses pour vous. Donc, on va déjà vous souhaiter bienvenue à notre manière. Okay. Donc, on va nous vous souhaitons la bienvenue. Soyez notre Seigneur. Que Dieu soit loué, qu'il vous bénisse en cette journée. Soyez heureux et jouez avec nous, chers invités, nous vous
les enfants que vous retrouverez ici à Cajène, à votre passage, ce sont les enfants qui sont conduits par le service social, qui nous appellent de temps à autre pour nous dire, voilà, il y a un enfant égaré, voilà, il y a un enfant orphelin, il y a une famille qui sollicite de l'aide, il y a des enfants kidnappés que nous avons retrouvés. C'est toutes ces multiples situations que vous retrouvez en général dans les orphelinats. Donc l'orphelinat, en principe, c'est une structure d'accueil provisoire, de placement provisoire. On nous appelle les OSP. Quand on retrouve les enfants ou bien des familles, les parents décèdent, on place les enfants là en attendant, pour ceux dont on ne connaît pas les parents, d'avoir la filiation, de retrouver une famille et quelqu'un qui puisse accepter de prendre les enfants à charge. Le service social continue, même quand on nous appelle ici en semaine, il y a tel enfant. Le service social est en train de travailler pendant qu'on le place là, provisoirement, pour qu'on retrouve la famille, ou bien que la famille vienne vers les autorités. C'est là où les gens travaillent. C'était notre maison en 94 jusqu'à 90. Quand elle commence à prendre les enfants, c'était un 3 pièces en planche avec... c'est 3 pièces, je pense, oui. Donc c'est comme ça qu'elle ramène un jour 9 enfants. Et la vie a continué sans orphelinat. On a fonctionné comme ça pendant 6 ans. Ils restaient avec nous l'année, en, les vacances, ils rentraient chez eux. Mais maman a été saisie par un de ses frères qui lui a rappelé que c'est bien que tu gardes les enfants. Et s'il y a un incident, un jour, tu vas devoir répondre. Parce que les familles m'ont bien dit que okay, tu les gardes. Mais après, s'il y a quelque chose, ça ne sera plus ça. Vous n'avez pas de contrat, vous n'avez rien. Toi, tu les gardes seulement comme ça. Je venais d'orphelinat Cajène. Donc, ça, après 9 ans de fonctionnement comme ça, là, que l'orphelinat est né. Il fallait le soir commencer à chercher dans le quartier pour les retrouver. Donc, elle a commencé à construire. Tout ça, c'était en planche. C'est un peu la stigma. Si je n'ai pas de travail dans un bureau, je peux faire quelque chose de mes mains. Non, ils vont vous montrer un peu tout ce qu'ils font. Ils vont vous montrer les documents. Oui, c'est tout petit. Nous sommes en chantier. On a le fourrage. Un fourrage. Déjà, le poisson que vous avez vu là-bas, on ne peut pas l'alimenter avec l'eau de la Sénèque. Oui. C'est une glace. Avant, on allait puiser de l'eau. Il y a un filtre derrière. C'est une maison pour vendre. Applaudissez encore. Donc, vraiment, nous voulons vous dire que vous êtes des enfants formidables. Vous êtes des enfants vraiment chaleureux. Que le Seigneur vous bénisse maintenant. Amen. Alors. Ok, étant donné que maman Vicky a fait une brève présentation de qui vous êtes, de Cajène et tout, nous on a une bonne idée. Maintenant, il est important que vous aussi, que vous puissiez avoir une bonne idée de qui nous sommes, n'est-ce pas? Voilà. Celle de la terre. Voilà. Avant de vous dire qui est celle de la terre, je vais d'abord vous passer les salutations de notre papa et de son épouse. Amen. Parce que c'est ce couple-là qui aujourd'hui, c'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui. Donc c'est ce couple qui en fait ont eu cette idée. Et ils ont porté cette idée. Le Dieu qu'ils servent en fait leur a communiqué cette idée. Hein, pasteur? Et puis ils ont dit il est important que nos enfants puissent aussi continuer avec cette idée et cette œuvre. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Amen. Il s'agit ici du couple prophétique. Le prophète Patrick Emmanuel Tondi et son épouse. Amen. Ils vous saluent chaleureusement depuis les États-Unis. Et celle de la terre n'est pas cadeau là.
Celle de la Terre a plusieurs antennes dans le Cameroun. Celle de la Terre est à Yaoundé, Bafoussam, Baganté et Douala, comme vous pouvez le constater. Donc c'est l'antenne de Douala qui a bien voulu se déporter ici. Pour dire, il est important que nous puissions donner du sourire. Il est important que nous puissions faire quelque chose aussi avec les moyens que nous avons. Étant donné qu'on vit dans un monde où les couches vulnérables sont défavorisées, nous pouvons regarder de façon panoramique et voir que l'État aujourd'hui s'intéresse à des valeurs telles que l'amour, la paix et l'équité. Parce qu'ils savent que sans ces valeurs, on va vivre dans l'anarchie et un chaos total. Alors, en plus de l'œuvre et en plus du fait que le Seigneur lui aussi, quand il était présent sur cette terre, il a communiqué ces valeurs-là. Nous avons vu tous notre Seigneur Jésus qui a apporté de l'amour aux gens, qui étaient tristes, qui a apporté de la joie, qui a nourri des personnes, qui a été à un moment donné où il s'est prononcé et il a jugé en faisant de la justice. Il était équitable et il pouvait donner à chacun ce qu'il mérite. Alors c'est pourquoi aujourd'hui cette association, cette ONG, celle de la terre, prône ces valeurs qu'est l'amour, la paix et l'équité que vous pouvez voir sur nos dossards. Sans ces valeurs, vraiment, nous pensons... Donc je suis le serviteur Borel Emani. Je suis membre de la coordination nationale à Yaoundé des Celles de la Terre, dont je suis là pour accompagner tout le monde. Donc, sur ce, je vais inviter ici devant notre papa, le papa d'ici, le père d'ici même. Donc, il est important, le père est là et nous sommes contents parce qu'il est là avec nous. Donc, je vais inviter papa, c'est lui notre président. Oui, c'est lui notre papa, c'est lui qui nous dirige ici. Donc, je vais tout simplement lui dire de venir nous rejoindre ici. Et puis, il va présenter son jeu. Les mots me manquent. Je ne fais qu'observer, hein. Observer et essayer d'imaginer. Et vraiment, le travail que vous faites, c'est merveilleux. Parce que quand je vous regarde, vous-même, vous êtes très fort pour tout ceci. S'il y a 15 enfants, vous avez 15 caprices. Ah oui, parce que chaque enfant a... Donc, ce n'est pas facile pour vous. Que le Seigneur vous soutienne encore. Amen. Moi, je suis le président, le révérend pasteur Simon Ferdinand Ken, de la vision La Gloire des Maisons. Donc, ce qui nous sommes ici au cadre de celle de la terre. Et si nous sommes venus, c'est pas la grâce de Dieu. Ce qui nous a amenés ici aujourd'hui, nous sommes là avec le bureau de celle de la terre, avec les membres qui sont. Si nous sommes venus, vous avez vu ce que nous avons apporté. Oui. Le peu que nous avons apporté, nous voulons que vraiment vous puissiez nous accepter avec. Vous puissiez nous accepter avec. Et je sais que par la grâce de Dieu, comme nous sommes déjà une famille, oui, comme le gouvernement le dit, une famille, et nous allons continuer toujours à venir dans notre famille. Amen. Que ce qui est là, vous allez savoir comment vous allez jouer. Merci.
soutenir le Seigneur pour vous. Merci. Jésus.